Salam la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo avec Myriam. Salam, j'espère que vous allez bien, c'est la rentrée. What, t'es contente que c'est la rentrée? Bah oui, mais en fait je suis pas contente de repartir à l'école. Mais je suis contente d'acheter les nouvelles affaires. C'est incroyable, quand t'achètes tes nouvelles fournitures, t'as tes nouvelles baskets, t'as tes nouveaux habits, c'est incroyable. Oh ça va me coûter cher ça, on va aller voir Younes tout de suite parce que moi je vais pas assumer là, c'est parti. Younes, ça va? Ça va et toi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux acheter mes affaires de la rentrée, mes vêtements, mes fournitures scolaires, mes baskets et tout? Quoi? Je suis le Père Noël. Comment? Pour aller à l'école? On vient d'aller en Espagne, vous m'avez ruiné, je peux pas payer Myriam. Mais je fais comment pour aller à l'école? Je vais aller à l'école en claquette? On va aller au stade. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Plus tu seras forte, plus je te donnerai de l'argent pour gagner. Si t'es nul, je paye pas sur Royalty. Incroyable. Myriam, là t'as l'opportunité de faire relationnes. T'as intérêt d'être forte au foot. Ouais, en vrai 200 euros c'est bien, mais si je peux aller jusqu'à 1000 euros on y va. Vas-y, allez, c'est parti. On vient d'arriver au stade, Younes il fait une tête, il est dégoûté. Parce qu'à chaque fois qu'il va réussir à une fille, il va devoir payer à Myriam. Myriam, tu veux quoi pour la rentrée? Moi je veux des belles baskets et un beau survêt. Pour ça il va falloir que tu réussisses plein de défis hein les gars. Un défi, 100 euros dans la cagnotte de Myriam. Non, va falloir que Myriam elle soit nulle aujourd'hui. Comme ça je paye 10 euros, on va à Lidl, on lui achète des habits de Lidl et ça serait pas mal. Parce que mon portefeuille il en a marre de vous là cette année. Myriam, regarde, y'a qui? Younes il va payer les fournitures scolaires pour Myriam. Un penalty est égal 50 euros. Pas khalas aujourd'hui. Yassine il va rien payer aujourd'hui parce que lui il est gentil. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais au goal. Un penalty 50 euros pour Myriam. T'as 3 penalties. Sûr. T'auras plus de mains, t'auras plus de bras, t'auras plus rien si tu l'as. Va casser la main, Younes. Zingili mata, zingilié. Il fait quoi là? Ah, Younes va manger du chewing-gum. Fais ta toute ta frappe. Allez, c'est parti. Oh, mais regardez ce radin. 0 euros. Allez, tiens. Ouais. Merci. Pour l'instant, elle a gagné 50 euros, elle peut s'acheter que un but. Elle va lui remettre un but, donc c'est bon. Pétarland, toute ta force. Allez, go. Wow. Lucarne. Par contre, elle était pas un peu proche là? 100 euros plus que là, elle a mis. Non, j'ai mis une lucarne, donc normalement c'est 250 euros. Ça fait 100 euros, 50 euros plus 50 euros. On passe au défi numéro 2. Okay. Vu qu'il y a des abonnés à côté, depuis tout à l'heure ils font que de parler, ils sont super nuls. Vous allez devoir mettre la balle dans le mini but là, le tout petit but. Hein. Okay. Celui qui met un but, ça fera 50 euros de plus pour Myriam. On va commencer les mini buts, elles sont placées juste ici. Elles sont un peu tordues, mais bon, Myriam, je pense que ça devrait le faire. Fais la technique de SP derrière les gars, je pense que ma mère elle a juste à lui faire la passe. C'est raté, mais c'est pas possible! J'aime pas commencer en premier! Donner un vrai conseil. Mais non, j'aime quand pas. Quand tu rentres chez toi, tu vas au magasin et t'achètes une bonne paire de lunettes, d'accord? T'en as besoin. Après, si je réussis pas, c'est pas de ma faute. Si c'est ta faute, Ouais! Bien joué, mon gars! Oui, lui, il a pas besoin de lunettes. Pas des bonnes passes, ce soir, tu manges du chikwanga. Non! Un tagine! Non, le poteau! Pour l'instant, y'a que Swell qui a réussi à marquer là. Attends, ou pas, et combien je retire, je la remets. Regardez-moi, moi j'ai pas besoin de l'arrêter. Myriam va tirer pour elle-même, donc là on peut pas dire qu'elle fait exprès. Oh, elle est deux. Et il y a beaucoup devant, les cages elles bougent un peu. C'est validé. Est-ce que sur le budget que t'auras, tu pourras me passer 100 euros? Vas-y. Oh non, la dernière, on a bien vu qu'il a déplacé le but. Merci. C'est pas compté. Oh la balance. Dernière épreuve, ça va concerner que Yacine. Yacine, tu vas avoir 4 essais pour mettre le ballon dans la lucarne. S'il arrive à mettre une seule fois, je paye 200 balles. 200 balles pour chaque ballon mis. C'est impossible, je sais pas comment je vais faire. En plus, regardez, avec le vent, là, regardez, là, en fait, le trou il est trop petit. Ça veut dire. Oh, ça va être chaud, mais je vais essayer de le faire. Chaque balle 200 euros, mais je vais devenir riche. En fait, là, t'as pas oublié ce qu'on a dit, on partage. Ok, je vais essayer. Mais c'est pas évident, voilà. Ça, hein. C'est dur. Hein. Allez! La barre, frère. C'est trop, vas-y. Moi je voulais partager avec lui, mais si ça continue, moi je partage rien du tout. C'est trop, j'en ai marre là. Fais que de rater. Impossible. C'est grave là. Il reste plus qu'une seule frappe. Une seule frappe et je ralasse pas 200 euros. Myriam, plus 200 euros dans sa canotte. Je pense que je vais bien partager avec toi, mais pas beaucoup. Je rigole. 150 euros, t'as trop la haine. Je vais acheter des baskets, des vêtements, je vais acheter tout le magasin carrément. Allez, c'est pourquoi trop la haine? Pourquoi j'ai trop la haine? 350 euros, c'est trop! Les enfants, normalement, c'est 100 euros! Moi, j'ai pas envie. Bah, arrête de rager, ta carte bleue, elle va exploser déjà. Tu veux pas que tu vois qu'elle se craque en deux avant? J'ai une idée. J'ai ma dernière carte joker. On fait un parfait ciseau. Si je gagne, je vais t'acheter moi-même les trucs. T'inquiète, je vous prends des bons trucs. Vas-y, chaud. Je viens pas, vas-y. Chaud! C'est chaud! Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Yes!
Eh, hey, Younes, Younes, s'il te plaît, achète-moi des bonnes chaussures, des bons vêtements, s'il te plaît, s'il te plaît. Achète-moi ne des... viens pas, ne viens pas, je vais m'occuper. C'est moi comme mon papa avant. Avant, mon papa, moi, je venais pas. Il me ramenait des trucs et ma maman, et je découvrais le jour de la rentrée. Tu vas te découvrir le jour de la rentrée. Non, achète pas les trucs à la sortie. Younes, pourquoi tu vas à Decathlon? Bah, Decathlon, il y a les trucs hipsta, les survêtements pas chers. Du coup, je lui prends 3-4 survêts, ça fait 100 euros, c'est carré. Mais c'est... t'es obligé de dépenser 350 euros dans tous les cas. Ah, on est obligé de faire ça. Bah oui, bah oui. Vas-y, bah on commence par là, bro. Okay. Attends, mais tu fais quoi là, Younes? Je peux lui prendre une paire comme ça à 16 euros. Mais toi, t'es un fou, toi. Mais pourquoi? Eh, vas-y, viens, on sort du magasin, viens, on va à Nike. Non. Arrête de faire n'importe quoi. Mais non, Yassine, c'est respecte-la. Oui, mais dans tous les cas, t'as un budget de 350 euros. Un peu, 25 euros. Non, 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 Younes, on va aller à Nike, on va aller à Nike. Mais ça saute haut, ça. Younes, on va aller à Nike. Bon, ça y est, Myriam, je prends les choses en main parce que Younes, il fait n'importe quoi. On va aller à Nike. Et t'inquiète pas, Myriam, je vais te mettre bien. Je veux pas qu'on aille à Lidl. Non, on va à Nike. Mais à Lidl, il y a des vrais trucs, Yassine. Yes, il y a 350 euros de budget. À Nike, on peut largement acheter de quoi ce qu'il faut. Donc on va là à Nike tout de suite. Et c'est moi qui m'occupe de tout, je m'occupe de rien. Vas-y, on achète de quoi ce qu'il faut. Enfin des bons trucs. Regardez les maillots incroyables en mode violet blanc. J'avoue, pour ça, Yassine, ça, pour l'école. Mais tu penses qu'au mois de septembre, quand c'est l'école, il fait encore chaud pour mettre des maillots? Jusqu'à octobre, il fait encore chaud. Ah ouais? Donc en vrai, les maillots, c'est rentable au début. Est-ce qu'il y a le pull derrière aussi? Fais voir, sors-le comment il est. J'avoue, les gars, Nike, c'est trop une dinguerie. Wow. Oh, ça c'est trop en pull de la rentrée, non? 44 euros en plus, ça rentre dans le budget. Non, non, comment ça 44 euros? Ça rentre dans le budget. Ouais, ça rentre dans le budget. Alors pour les baskets, regarde-moi ça, Younes. TN. Non, non, mais Yacine, elle est trop petite pour mettre des non, TN. En vrai, moi je suis pas fan des TN. Elles sont à combien pour voir? Ça fait trop racaille. Moi je dis 180 euros. Y'a même pas de prix, frère. Quand y'a pas de prix, c'est que c'est une dinguerie. Moi en je pense. En vrai de vrai, ouais. C'est plus Air Force. Ça, frère. Ça lui irait bien. En mode bleu, ça fait trop été. Du coup, en vrai de vrai, ça faut pas le prendre parce que ça va être la rentrée, ça fait un peu trop été. Moi je partirais plus sur des. Celle-là, wesh, celle-là, regarde, celle-là ou celle-là. Sur des comme ça, hein. Comme ça c'est pas mal. Hein. Le prix s'il te plaît? Le prix 100 euros. Ça rentre dans le budget. Ça va, ça rentre dans le budget. Dans... Ou sinon, regarde, t'as celle-là, mais ça, je pense, ça fait un peu trop grand, les gars. Regarde, celle-là, non, sort celle-là. Pour non, voir. Non, non, ça c'est les anciens, ça y est. Vas-y, bah les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une paire comme ça, j'avoue, 100 euros. Vous allez découvrir la couleur à la maison, ouais, une surprise. Parce qu'en vrai, les couleurs ici, elles sont pas top, faudrait voir d'autres couleurs. Et quand vous faites les habits de la rentrée, vous êtes obligé d'avoir un pull Nike comme ça. C'est trop là-bas. Un petit pull comme ça, tu le mets le mardi quand il fait gris. Avec un petit survêt. Ils n'ont pas le survêt. Ah, il est là le survêt, les gars. Le petit survêt Nike comme ça, même ceux qui n'aiment pas s'habiller en survêtement, vous êtes obligés, ils ont ça, non, Yacine? Ouais, j'avoue. Le petit survêt comme ça, classique, il passe vraiment bien. C'est la base. Le prix, à ton avis, coûte combien? 50 euros. Oh, attention, parce que Yacine a eu la bonne réponse. 49 euros. Comment tu sais? C'était sûr, je les connais par cœur, ces pantalons et ces survêts. Eh, hey, mais les gars, c'est la rentrée de YouTube aussi, donc nous, il nous faut un petit survêt, non, Yacine? J'avoue. Eh, hey, les Nike Tech. Ça, c'est à Myriam, tu sais que elle a ce survêt là. Elle l'a, du coup, je peux pas le prendre. Parce non, que bah rouge, non. C'est un peu bizarre. La meilleure couleur, bleu, c'est un peu trop gris, c'est quand il pleut, tu ouais. On a le gris, sinon. Le gris il passe crème. Hein. Vu qu'il reste encore sur 50 euros, on va aller. 50 euros, on les partage. Non, on va aller à Intersport. S'il te plaît, on va manger. Younes, arrête. Toi, t'es un gros haggal. On va aller à Intersport. Younes, vous avez montré des chaussures claquées. Moi, je vais vous montrer des vraies chaussures. Je te passe 50. Tu s'occupes de rien. Je s'occupe de tout. Je te passe 50, je prends 20. Non, on devrait prendre un vélo à Myriam. T'en as pas marre d'aller la chercher à l'école. Je pense qu'avec un vélo, elle pourrait se débrouiller bah tout ouais, seul. Au moins, elle met son cadenas. Elle se débrouille mais tout le vélo, quand elle est à l'école, elle va le mettre où? Bah, devant, elle met un cadenas. Vas-y, bah, regarde s'il y a des bons vélos. Il lui reste combien d'argent, tu m'as dit? Moins de 100 euros. Hein. Il doit lui rester 80 euros. Je pense qu'il y a moyen. Vas-y, bah, regarde les prix. 500 balles. 500. Non, mais ça c'est adulte, ça c'est adulte. Ouais. Viens, on va dans les enfants. Ouais. 1500. Non, mais là, on n'est pas dans le beau rayon. Mais ouais, c'est 140. Avant, à mon époque, les vélos, ça coûtait 70 euros, 80 euros maximum. Oh, t'abuses. Un vélo en carton, alors. Allez, 100 euros, on va dire. Non, au moins 150. Non, 100 euros, je me rappelle, t'en avais des bons vélos. Ouais. En vrai, de vrai, je suis chaud, on fait un défi, Younes, pour une prochaine vidéo. Si vous mettez 5000 likes, on fait un défi. Et celui qui gagne, il rapporte un vélo. On a oublié de garder un petit budget pour les sacs à dos, les amis. On a enfin réussi à faire dépenser à Younes 300 balles, ça fait plaisir. Ce gros rat, il voulait aller à Lidl ou je sais pas où. Myriam, normalement, elle a gagné le défi, je suis désolé. Et elle mérite d'avoir ses affaires à 300 balles. Les amis, maintenant, là. On va voir si elle a acheté des trucs corrects. C'est parti. Déjà, j'ai un Nike Tech rose comme ça. Il est exceptionnel celui-là. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous allez acheter un Nike Tech pour la rentrée. En rose comme ça là. Waouh, il est trop beau. Ensuite, on continue avec. Eh, franchement, elle a été trop forte. Il est trop beau le pull Nike. Ensuite, bon, on a des chaussettes. Ça, c'est la base. Les chaussettes, t'es obligé d'en avoir. Eh, aujourd'hui, en fait, j'ai capté. Myriam, c'est une fille de Nike. Regardez derrière, c'est incroyable. Avec le bas Nike, hein, oh là là là. Et là, on finit par la dernière pépite. Comment tu vas être beau gosse à l'école? Les chaussures. Oh, les chaussures, ça par contre, tu pressais de savoir c'est quoi. Ok. Les abonnés, ils voient avant nous. Déjà, on a vu Jordan, ok. Ok. Les abonnés, voyez avant Yassine. Waouh. Une paire de Air Force Jordan en mode blanche et rose. Mais elle est exceptionnelle. Elle a chuté, j'ai compris pourquoi elle est pressée que ce soit la rentrée, je viens de comprendre. Et en plus j'ai un petit. Oh, t'as même un pins. Je sais pas, non, c'est pas un pins, c'est un autocollant. Franchement, je mets la note de 10 sur 10. Regardez les gars comment elles flinguent. Je crois que c'est les meilleures baskets que t'as eu de toute ta vie. Mais les lacets des Jordan, il faut les faire bien. Elles sont incroyables. En plus, il y a un peu de marge devant. Genre, ça veut dire que, genre, en mode, quand je vais grandir des pieds, genre, elles vont m'aller pile poil. En tout cas, moi, je mets la note de 10 sur 10. Ça sont bon, trop moi, je mets la note de 1000 sur 10. Mais les gars, profitez de vos derniers jours et dites en commentaire ce que vous avez eu, vous, pour vos vêtements. Est-ce que vous avez eu des Nike Tech? Est-ce que vous avez eu des robes? Et n'oubliez pas d'ailleurs de lâcher un like. Hein, vous voyez derrière votre écran, je vais vous retrouver. Lâche un like, abonne-toi. Vous mettez un like. Sinon, peace.